Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est toujours en live sur Site of Gangster, mais c'est un nouvel épisode de VOD pour découvrir le nouveau DLC. Ça se passait pas trop mal, il nous faut du sirop de maïs, mais il y a Monsieur Plan-Plan qui est dessus. Elle a des relations avec lui. Ça peut être intéressant, on pourrait rebondir. Putain, il a 74 ans le mec, hein. Il lâche pas l'affaire. Hein. Donc on pourrait faire rebondir une faveur là, et ensuite aller par là. Ok, pourquoi pas. Enfin, après ça empêchera pas que même s'il est corrompu, les gens refuseront de nous parler. Vu que tout à l'heure il était là, il nous empêchait, on va aller voir, est-ce qu'on pourrait trouver un pick-up. Alors, un véhicule taille moyenne avec une capacité de chargement suffisante pour les livraisons quotidiennes. 680, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. On a les sous, mais on va essayer de les garder pour la quête. C'est pas une priorité, on sait que c'est possible en tout cas. Lui, il a besoin de financement. On va aller s'en occuper. Tuck. Ok, on va le faire, ton cop civique. Vas-y, fais-toi plaisir. L'expansion. Il faut le financer parce que pour l'instant, il n'y a personne dans le quartier qu'on peut extorquer gentiment, bien sûr. Ici, est-ce qu'il est au mauvais endroit? Non, il est pas au mauvais endroit. On peut tout à fait aller là. Vendre un peu de moonshine. Hop. L'attention, ça donne quoi? Ici, ça monte un peu. Ouais, c'est... Ça pique un peu quand même. Hein. Ah, ici il y a une bande qu'on connaît pas. What? La bande à Hamilton a fait un truc jusqu'ici. Ouais, ça doit être parce qu'ils ont un trait de caractère particulier. Et ici, l'organisation Caruso. C'est encore plus loin. Ah, on connaît des gens ici, tiens. Notre oncle, ok. Bon, Doyle pour l'instant s'agrandit tranquillement. Dès qu'on a un deuxième personnage, je pense qu'on essaiera d'aller lui mettre une petite fessée. Éliminer assez tôt, ça peut être bien. On n'a plus rien à faire de toute façon. Du moins qu'on puisse faire quelque chose ici. Au niveau des faveurs, hein, qui c'est que tu nous permettrais d'aider? Ouais, pas très intéressant pour l'instant. Elle nous aime déjà bien, mais on n'a rien à lui vendre. Ok, j'ai cru qu'il allait faire une descente, ça m'aurait un peu emmerdé. On va pas se mentir. Il reste un peu de temps. Allons-y. Tuck. Du sirop de maïs. Ah putain, on est plein. Ça c'est dommage. Ok, on a gagné du respect ici. Ça c'est cool. Cette zone là d'ailleurs on la connaît pas. Je pensais que ça la découvrirait mais visiblement non. On la connaît pas ou y'a rien? Non, on la connaît, y'a rien. Alors on va déposer déjà ça. On va déposer un peu de sous. Des fois qu'il y a une descente, on va pas non plus se mettre dans la merde. On va garder... Attends, on a déjà 100 moonshine à vendre quoi. C'est vrai que ça produit énormément l'alambic charentais. Plus de points de mouvement, il va falloir qu'on explore. Alors, ici, il va falloir qu'on fasse grandir. Mais on pourrait peut-être faire grandir aussi de ce côté-là. Alors déjà, on va aller voir lui. Est-ce qu'il nous propose... D'agrandir, ouais. Agrandir ici, ça pourrait être pas mal. Il y aura deux commerces à racketter.
Ça peut être intéressant. Parce qu'ici, le problème, c'est qu'il sera tout seul. Ici, c'est trop loin. Ici, c'est pareil. Ici, ça serait pas inintéressant, mais je pense que lui va le faire. Bon, cela dit, on... Ouais, non, c'est pas ouf. Même si je me reprends là, il va pouvoir s'étendre ici, puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien d'autre. On pourrait le faire là, pour se rapprocher un peu de cette zone-là. Là. Toc parle donc de la personnalité politique. Oui, du coup, j'ai cramé la faveur. Une berline à 4 portes. C'est un peu plus grand que ce qu'on a, nous. Hein. Nous, on a une bagnole à 2 portes de base. Hein. Ouais. Mais je pense que si on s'achète un véhicule, ça sera le pick-up, quand même. Ici... Et il est redescendu à 55%, la vache. Il a reçu des fonds de la part des commerces du quartier. Ok. Ah, il faut se battre, hein. Faut se battre. Bon, bah du coup, on va demander à lui d'augmenter. Allez, c'est parti. On va aller chercher un coin de plus. On a quoi sur nous? Un petit peu de sous, du moonshine. On a plus que 0 points. Ça, c'est pas cool. Je vais pas rester dans les zones où je viens de faire un truc, mais bon. C'est comme ça. Alors, toi, on peut faire un projet de campagne. Alors, on peut rediscuter, on peut refaire un discours. Ça, c'est 6000 balles. Hein. Ah, on peut faire des lois. Promulguer la loi publicité dans les journaux ou promulguer la loi publicité à la radio. Intéressant. Putain, la vache, elle est noire, j'aurais dû la soutenir, hein, c'est la teuf quoi. Bon, pour l'instant, elle bouffe surtout des voix à Joséphine Murphy, mais. Il lui faudrait 6000 balles si on veut faire un truc comme ça, donc il faudrait qu'on lui fasse un don. Un don de au moins 1000 balles. C'est coûteux. Hein. On va rester sur ce truc là. Voilà. Et toi, on va t'acheter quelques trucs de maïs. Hop, on crame des faveurs pour discuter de notre poulain, n'est-ce pas? Lui, on peut rien en faire pour l'instant, donc on va... Voilà. Cramer quelques faveurs pour ça. Je sais pas si ça monte vraiment, hein. On voit que c'est pas hyper probant. Il nous reste 6 points. 6 points de mouvement. Il n'y a rien qui est suffisamment proche pour aller l'explorer. On va aller peut-être par là un peu. Si on va aller par ici, il faut aller là. Okay. Rassembler les votes. Ah. Il a atteint 69. Il y a quelqu'un qui s'est planté. Ah, il a reçu des fonds de la part des commerces du quartier. D'accord. Ah oui, ça doit être ça, c'est quand on fait ce truc-là, là, demander de soutenir le poulain, ça active ce truc-là et du coup il gagne un petit peu de voix. Et donc on a réussi la quête, ça c'est cool. Mais bon, pour l'instant on est un petit peu loin, on va continuer notre exploration. Des bouteilles et du seigle ici, c'est pas mal. Oh, coucou toi! Non, c'est l'hôtel que je voudrais. Ok, il nous aime bien, mais sans plus. Ah, la petite sauvegarde. Un peu longue aussi, hein. New York, c'est vraiment une grosse ville.
Une crèmerie. Des bouteilles, ouais, logique. Et toi, est-ce que tu nous vends du maïs? Non, elle pourrait éventuellement. On pourrait lui vendre énormément de choses. Mais par contre, elle s'en fout un peu. Ouais. Bon, ils se connaissent tous entre eux, mais il n'y a pas moyen d'avoir des faveurs de ce côté-là pour l'instant, dommage. Dommage, dommage. On va aller déposer notre maïs. Doit sûrement y avoir moyen de faire du sirop de maïs à partir de nos sacs de maïs là. On a 136 moonshine. Ok. Va falloir qu'on vende. Hein. Bordel. T'as une quête, toi. Ah, carrément, quelqu'un qui nous qui serait intéressé. Ah, mais améliorer notre truc, pardon, excusez-moi. Alors, améliorer la production, pourquoi pas? C'est pas forcément tout de suite la thématique, vu qu'on galère à la vendre. Mais, ça reste intéressant. Il faut quoi? 12 seigles et 2 barils en acier. Ça me paraît jouable. 2 barils en acier, on peut en acheter déjà. Ouais. Très très bien. Tiens, bah, chez notre copine là-bas. Ok, ça va. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. On va en garder que 10 en cas de descente. Ah, ici, il y a besoin de sous. Moins 20 dans le rouge, il va falloir travailler dessus. Hein. On va aller parler à notre copain là. Une récompense nous attend. Maintenant, si vous pouviez assurer notre victoire en novembre, les chiffres sont positifs, mais j'aimerais que vous passiez régulièrement jusqu'à la région électorale pour garantir notre victoire. Je vous rendrai la pareille après notre victoire. Très très bien. Alors la quête, ça consiste en quoi? Assurer qu'il remporte l'élection. On a pas mal de quêtes, hein. Pour l'instant, elle a reçu une publicité positive dans la presse, elle fait la tournée des cafétéries du quartier tous les matins. Ça commence à porter ses fruits. Allez, repapote donc un coup au conseil municipal. C'est pas cher. Là, on va faire la quête. Mais on va juste la prendre pour que ça nous libère un slot. Alors, du sirop de maïs. T'en as un seul, on prend. Et des barils. Deux. Parfait. Parfait, parfait. On va rester là et on va aller faire le tour par à côté. Ok. Réparation automobile. Toc. Ah. Des restaurants. Merde, ils nous aiment pas. Et lui, il nous aime bien. Pourquoi pas. Alors. Cool. Journée électorale. Voir les résultats. Alors nous c'est la 8ème circonscription. Ça a été très débattu par rapport aux autres hein. 100% ici. Oh la vache. La violence. On remporte une élection et on obtient 12 d'influence. Parfait. Parfait, parfait. Donc du coup, on a gagné. Notre politicien est élu. On obtient 12 d'influence et donc les élections ont lieu tous les 2 ans. Donc normalement maintenant il va tranquillement travailler sur les lois etc. Nous gagner de l'influence pendant qu'il est élu et peut-être nous débloquer des actions, on va voir ça. D'abord on va terminer ce qu'on était en train de faire. J'aimerais bien au moins voir si ici il y a moyen de faire des trucs. Non, pas grand chose. Donc on va aller là
livrer les tonneaux, vendre un peu de moonshine. Et par contre, du coup, ici, il y a besoin d'argent. Tu proposes de t'agrandir par là, ça m'intéresse pas. D'abord, il faudrait qu'on arrive à racketter ces deux-là. Ils nous aiment bien ou pas? Un peu, mais sans plus, quoi. Alors, par contre, toi, tu peux discuter... vis-à-vis d'une connaissance commune. Bah ouais, toi. Attendez, c'est derrière ça. Merde, c'est derrière. J'ai manque de précision, dis donc là. Pourtant là. Ah non, c'est vers moi. Non, c'est elle, il connaît elle, ok, très bien. Par contre, bah du coup, maintenant qu'il y a une faveur là. On pourrait la faire rebondir ici. Donc c'est quand même pas si mal. On va lui faire coucou, donc déjà... Ok. Rien de plus là. J'aimerais bien un petit coup de main. Vers Julia Harris, s'il te plaît. Et en plus, elle pourrait nous vendre un bâtiment. Ça c'est cool. D'abord, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous filer un petit peu de thunes, mademoiselle. Alors, ce coin de rue est à nous, ce coin de rue est à nous. Améliorons les choses ensemble. Donc voilà, maintenant elle ne veut plus nous filer de bâtiment forcément, mais par contre on va pouvoir lui demander un petit coup de main pour lui. C'est ça, c'est lui. Voilà. Et coucou, ce coin de rue est à nous. Et voilà, on va se faire un petit peu de sous de ce côté-là. On n'a plus de points d'action, mais j'imagine que le bâtiment de toute façon qu'ils ont là, ça doit être le même. Et vu que lui aussi en avait un disponible, ça doit très probablement être le même. On a 11 points, on peut peut-être faire quelque chose avec ces 11 points, on a quoi là? On a un petit peu de maïs qu'on va aller poser. On a un petit peu de sous qu'on va aller poser. On va prendre 10 moonshine sur nous. On a 4 coins de rue. C'est plutôt pas mal. Il va falloir qu'on trouve un endroit intéressant où s'agrandir. Ici, ça pourrait être pas mal. Ouais, bof. Et là, bof, 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 tout ça n'est pas très très intéressant. Il y aurait éventuellement elle, ici il y a une faveur qu'on pourrait faire rebondir ici. Si on pouvait avoir la gare dans notre escarcelle, ça pourrait être pas mal, on va aller chercher ça. Hop. On a terminé notre production, on va demander un petit coup de main ici. Et donc on va aller discuter affaires dans la foulée. Elle hésite. Intéressant. Elle hésite. Et du coup, est-ce qu'avec ta faveur... Non, c'est pas ça. Tu peux nous faire améliorer les relations avec le flic, ça peut être pas mal. Hop. On a combien sur nous? 460, ça peut suffire. C'est parti. Vous avez retrouvé mon cran d'arrêt, je vous remercie. Non, c'est pas utile pour l'instant, on peut le faire assez rarement ça, donc on va pas trop se gaver non plus. Il faut qu'on aille chercher notre récompense, on va le faire.
Notre candidat a gagné. Alors, j'espère que vous viendrez à la fête de la victoire une fois que le champagne aura été bu. N'oubliez pas de jeter un œil aux lois en vigueur et aux projets en ville. Vous devriez profiter pour utiliser mon influence pour promulguer ou abroger une ou deux lois lors de la réunion du conseil municipal en janvier. Félicitations pour votre victoire. Je m'assurerai de jeter un œil sur ces lois pour indiquer comment remercier votre organisation pour l'aide qu'elle nous a apportée. C'est parti. Alors du coup, les lois. Coup d'abrogation 18, coup d'abrogation 12, 16, 12, ok. Pour l'instant on a 12 d'influence. 15 pourra faire ça. Alors, promulguer cette loi transforme une partie de votre influence en une subvention unique financée par le conseil municipal. Ok. On pourrait réduire encore le coût de nos bâtiments. Ah, on gagne plus 10 d'influence parce que j'étais voir le tableau des lois, ça c'est cool. Bon bah du coup on aura suffisamment pour faire des trucs. Donc ce sera en janvier, faudra qu'on repasse en janvier probablement. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec lui sinon? Juste discuter, donc ces faveurs nous servent pas plus que ça a priori. Oula. D'accord. Ah oui, il y a une faveur avec notre oncle, très bien. B, c'est une bonne chose de fait. On a notre première élection. On a notre niveau de respect qui augmente petit à petit. Ici, ça pourrait peut-être être intéressant au final. Alors, t'as une quête. Du seigle. Pour l'instant, c'est pas utile. Il me faudrait surtout pouvoir vendre mon moonshine. Par contre, est-ce que tu serais intéressé pour agrandir? 250, ça coûte. Merde, j'ai pas 250 sur moi. Ah non. Bon, bah du coup, on va acheter du sirop de maïs. Hop. Parfait, juste le mouvement qu'il faut. On va déposer notre sirop de maïs. On va reprendre un petit peu de sous. Voilà, 300, c'est bien d'avoir toujours un petit 300 qui traîne. On a 4 de mouvement. On peut aller là vendre un bout de moonshine. On veut toujours que 4, c'est un peu chiant. Tu voulais quoi toi du seigle? Ah oui, c'est vrai, il faudrait qu'on le fasse quand même. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Je pense que je vais quand même le faire ici, mon quartier amélioré, parce que là il y aura les deux bâtiments. Il pourra grandir par ici. Ça nous en fera 3 potentiellement excorqués. Quoique si je le fais là, ça nous en fait 4 potentiellement excorqués, ce qui est un peu mieux quand même. Non, on le fera là, là. On le fera là, on le fera là. D'ailleurs, est-ce qu'on le ferait pas tout de suite ici? Vu qu'on a de la thune sur nous. C'est parti. Ok, on a plus de points d'action. Hop là, on a un petit point. Maintenant on peut avoir 2 personnes, et ça c'est très très bien. Alors, vers où tu nous permettrais d'agrandir? Par là. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On a un petit point, on va prendre la bagarre. On va lui revendre un pot de moonshine, parce que pourquoi pas. Ici, on a une récompense qui nous attend, puisqu'on a nos 5 points. Alors, recevez du moonshine ou obtenir mesure sanitaire. On prend mesure sanitaire, les compétences c'est bien mieux. Enfin, surtout que là, pour l'instant, notre moonshine, on va dire que voilà quoi. Et il va être temps, je pense, de s'occuper de recruter quelqu'un, de nous agrandir, peut-être de faire un petit bootlegger à moonshine.
qu'est-ce que tu nous proposes? Nanana, elle envoie des camions pour une société de livraison. Elle est prête à aider la famille sur la ration de véhicules de vie. Ah! Très très bien ça. Ça c'est parfait. On a combien sur nous? 230. Dommage. C'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. Toi t'as pas une petite enveloppe à nous donner? Non. Donc on va aller chercher ce qu'il faut. Et on va faire cette quête tout de suite. Hop. Alors. Notre cousine éloignée qui est maintenant plus proche a déposé cette enveloppe. Elle contient tous de l'imposant. Étant donné que tu as une famille, on m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres opportunités avec cette société de livraison si tu souhaites apporter ton aide. Alors, démarrer la mission livre rapide, on obtient conduite de camion. Parfait. Qu'est-ce que ça fait, conduite de camion? Non, c'est pas ça. Compétence de votre bande. Conduite de camion. Alors, vous augmentez le nombre de camions que vous pouvez utiliser et réduisez l'usure de tous vos véhicules. D'accord, on est resté à 0 sur 1, ça passera peut-être au prochain tour. Ah, et on a débloqué de quoi recycler nos bouteilles, ça c'est cool. Toi, il te faut quoi? 80 balles. Bah go. Ah non, d'accord, c'est qu'il me restait 80 balles, ça me paraissait bizarre. Alors... on va regarder qui on nous propose à recruter. Négligent et laid. Très bien. Petite taille. Pourquoi pas. Curieux, intègre et faible. Ok. Volubile, aimable et vigilant. Ça, ça pourrait être pas mal comme livreur. Aimable, maladroit et laid. Mmh. Décontracté, paresseux et laid. Ok, donc on a une personne intéressante et elle est là. Volubile, aimable et vigilante. On va la prendre, hein, même si c'est un petit peu tôt. Ah, et on a bien débloqué notre deuxième camion, très bien. C'est un petit peu tôt, mais on va la prendre. On va lui filer un camion. Donc il va nous falloir 600 balles pour aller en acheter un. Et on va lui acheter une batte de baseball. Ou peut-être aller chercher le flic, voir si on peut pas choper un petit flingue. Et on va aller s'occuper de ce sympathique personnage. C'est 680, on va se dire que c'est probablement la même valeur. Et après on la lancera dans du taf de livraison. Est-ce qu'il y a de quoi faire là? Ouais, il y a encore de quoi faire au moins deux cycles de production. C'est plutôt cool, on n'a plus du tout de points. Ah, il y a une descente. Alors, on a notre petit surnom. Comment on va s'appeler? Comment on va s'appeler? Est-ce qu'on mettrait pas ça comme nom, Squash? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu es encore avec nous. Je pense que c'est un bon nom. Puisque j'ai été un petit peu trollé avec Massif Calis. Il est massif ton Calis? Allez, je pense qu'on va partir là-dessus. J'adore et valide, parfait. C'est parti pour le signe avec gros engin à noir. Alors, un petit pick-up, c'est parti, on prend le petit pick-up. On en aura peut-être un avec cette quête-là, là. Mais comme ça, on est prêt déjà. Toi, on te file le pick-up. Tu vas prendre 100 balles. Est-ce que t'es assez proche pour aller parler? Alors, est-ce que toi t'es assez proche pour aller parler? Ouais.
stock, on peut prendre un revolver ou un pistolet. C'est parti, un petit pistolet. Et le monsieur est par ici, donc toi tu vas venir nous rejoindre avec ton pick-up. Ce serait pas mal d'attendre qu'il soit proche, faut aussi qu'on explore la zone jusqu'à chez lui avant de le taper. Toc, alors j'aimerais bien qu'on s'échange. On peut s'échanger non? Comment on faisait déjà? Merde, je sais plus. On peut peut-être pas le faire? Si. Ok, j'ai un trou. Voilà, on va découvrir les trucs du coin en passant. Ok, on a le... ok, peut-être qu'il faut le faire dans un bâtiment. J'ai un trou là. J'ai un trou sur la manipulation à faire, désolé. On va retourner là du coup, tant pis. Faire un petit tour de recherche, mais c'est pas la mort. Alors, toi, tu déposes la batte de baseball et le moonshine aussi. Tu sois le plus vite possible, tu vas déposer la thune, t'as pas besoin de thune. Toc, toi, ma chère, tu déposes la thune, tu prends la batte de baseball. Très bien. Et on va se diriger vers là. Putain, il revient ici, mais il y a le flic qui est là, quoi, comme par hasard. Toc, toc. 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 Alors, on vend des cigarettes ici. Intéressant, mais pas fou. Tu vas aller... Il te reste plus rien, toi. Il te reste 10 points. Tu vas aller là. Il est emmerdé par lui. Donc on va aller ici. On n'a plus de points d'action. Parfait. On va se replier au cas où lui décide de venir foutre la merde. Si j'y crois pas trop. Dépôt engrais. La cigarette. Ah, et ici, on aurait une quête. On dit que du bien du moonshine que vous produisez, la demande est très forte dans le quartier. Tout à fait. Alors là, si on peut trouver un autre endroit où vendre du moonshine, on prend. Alors du coup, on va explorer avec lui. Puisqu'il a tous ses points. On va aller là. Dépenser nos 2 points d'action et reculer. Et on reste. Merci Chobiti pour le café. Un petit café, ça fait toujours plaisir. Du coup, on va en profiter pour arrêter l'épisode là. Parce qu'il est suffisamment long. Le temps que je bois une gorgée de café, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, faites-vous plaisir, après je coupe. Il est bon. Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite.